Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce très joli point fantaisie au crochet tunisien. Donc comme vous voyez, c'est un point qui est ajouré. Donc sur l'endroit, il est comme ceci. Et sur l'envers, il est comme ceci. Donc c'est un point qu'on peut considérer un petit peu comme réversible, même s'il n'est pas totalement de la même façon sur l'endroit que sur l'envers, mais c'est un point que vous pouvez utiliser pour des ouvrages que vous voulez porter aussi bien en recto qu'en verso, donc par exemple pour une écharpe, pour un châle, vraiment c'est idéal. Vous allez voir, il n'est pas bien compliqué à réaliser, donc je vous rapproche un peu plus pour bien vous montrer comment se présente le point. Vous voyez, la laine, elle est très très belle. J'ai utilisé un fil de chez Rico Design que j'ai eu sur le site de sperenza.com et c'est la Dream Tweed DK. Et en fait, c'est un fil, vous voyez, qui est un petit peu moucheté comme ça. C'est un fil tweed. Il est vraiment très, très beau. Donc, ce sont des pelotes de 50 grammes pour plus ou moins 145 mètres de fil. On est sur du 45% polyamide, 38% acrylique et 17% viscose. On nous conseille des aiguilles et un crochet numéro 4. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé un crochet tunisien numéro 4. Donc là, la couleur de mon fil. Donc, c'est la couleur 02 que vous pouvez retrouver sur le site sperenza.com. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Au niveau de mes crochets tunisiens, c'est pareil. C'est un kit que j'ai eu sur le site de Sperenza. Et je vous mets, évidemment, comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos de la boutique en ligne. Et également, si vous voulez aller jeter un œil pour tout ce qui est fiches des points au tricot, donc fiches et gris, ainsi que les ouvrages. Donc là, pour ce point, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Il n'y a pas beaucoup de rangs qui se répètent. Il est vraiment très, très chouette. Donc, écoutez, on va pouvoir passer maintenant au tutoriel. Donc, pour commencer le point, il va falloir monter un nombre de mailles multiple de 4. Donc, vous allez simplement monter vos mailles 4 par 4. Et ensuite, on ajoute une maille supplémentaire demandée pour le point. Donc, on va commencer par le premier rang. Donc là, on va faire un rang totalement normal. On va simplement relever nos mailles. Donc, vous allez compter une et deux mailles. Et on va piquer sur le brin à l'arrière. On ramène le fil. Et on va faire la même chose dans toutes les mailles. Je pique dans le brin arrière. Je ramène mon fil. Je pique dans le brin arrière. Je ramène mon fil. Et on continue. J'arrive sur ma dernière maille. Je la relève. Donc là, on est en train de faire deux rangs de préparation. On a fait le premier rang. Pour le deuxième rang, là par contre, ça sera toujours la même chose. On va commencer par venir faire quatre mailles en l'air. Une. Deux. Trois. Et quatre. Là, ce qu'on va venir faire directement, c'est passer dans quatre boucles. Donc, j'ai une, deux, trois et quatre boucles. Je passe directement. Donc, une, deux, trois et quatre. De nouveau, quatre mailles en l'air. Une, deux, trois et quatre. Et je viens directement passer dans quatre boucles. Une, deux, trois et quatre. De nouveau, 4 mailles en l'air. Donc, vous voyez, on répète toujours la même chose jusqu'à la fin. 1, 2, 3 et 4. Et je passe directement dans mes 4 boucles. Donc, vous voyez, on répète vraiment toujours la même chose. À partir de maintenant, c'est les deux rangs qu'on va toujours répéter. Ce qu'on va venir faire, c'est commencer par venir faire une maille en l'air. Donc, faites attention de ne pas trop la serrer. Je fais une maille en l'air. Et vous voyez, ça m'a formé une petite maille juste au-dessus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est piquer dans cette maille, juste au-dessus de cette façon. Et on relève la maille. Donc, je fais un jeté et je passe. Ensuite, ici, on a les mailles en l'air. D'accord? On en a fait 4, mais on va piquer dans 3 mailles. Donc, celle qui est plus proche du point, on ne pique pas dedans. On vient sur la suivante. On pique dans le brin arrière et on relève une maille. Donc là, j'en ai relevé une.
Je vais juste bien attraper ma maille. J'en ai relevé une. Une deuxième. Et la troisième qui est collée sur le motif. Comme ceci. Et c'est ce qu'on répète. Au-dessus du motif, j'attrape la maille. Et je relève. Ensuite, je saute la maille la plus proche du point. Je viens dans la suivante. De toute façon, pour vous repérer, vous pouvez compter à partir du prochain motif. Vous comptez une, deux et trois mailles en l'air. Je relève une maille. Une deuxième maille. Et une troisième maille. Ensuite, je viens relever celle au-dessus du motif. Donc, vous voyez, on répète toujours la même chose. Au-dessus du motif. Et ensuite, je saute la maille la plus proche du point. Et je viens relever trois mailles. Une. Deux. Et enfin, la troisième, juste ici. Donc, voilà pour le premier rang. Et là, pour le deuxième rang à répéter, on fait exactement la même chose que pour le rang numéro 2 de préparation. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je viens passer directement dans 4 boucles. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je passe directement dans 4 boucles. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je passe directement dans 4 boucles. Donc voilà les deux rangs qui sont à répéter. Le seul petit conseil que je peux vous donner pour réaliser ce point, c'est vraiment de rester le plus souple possible. Quand vous faites vos mailles en l'air, vraiment, essayez d'avoir un geste, vraiment très souple. Et ensuite, voilà, vous répétez toujours les deux rangs que je viens de vous montrer et vous aurez ce très joli résultat. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et moi, je vous retrouve très très vite pour un nouveau tutoriel.